Petit jardin au milieu du désert. Et donc, il y a de l'eau. De l'eau ? De l'eau ! Vas-y, vite, Didou ! Plus vite, Didou ! Plus vite ! Plus vite, Didou ! Plus vite, Didou ! Plus vite ! Écoute, Yoko, je sais comment on peut aller plus vite. Avec un chameau ! Un chameau ? Oui ! C'est un animal du désert, habitué au long trajet et qui peut aller très vite. Alors, dépêche-toi de le dessiner. Allez, Didou, allez, Didou. Allez, Didou, allez, Didou. Pour faire un chameau, regardez. Je commence par dessiner une vague, comme ça. On est en plein désert et il dessine la mer. Ça va, Didou? Mais non, ce n'est pas la mer. C'est le dos du chameau qui ressemble à une vague. Ensuite, je lui dessine la tête. Avec les oreilles. La bouche. Le cou. Les yeux. Et les narines. Et maintenant, les pattes. Je vais t'aider. Une, deux, trois... Et je termine par la queue. Et maintenant, il faut le colorier. Ils sont malins, nos amis. Bonjour le chameau. Moi c'est Didou. Et mon ami c'est Yoko. Bonjour les amis. Où voulez-vous aller? À l'oasis, là-bas. On doit remplir notre gourde. Alors, c'est parti! Cap sur l'oasis! Sans vouloir vous déranger, vous ne pourriez pas aller un peu plus vite, s'il vous plaît? Vous êtes pressés! Il fallait le dire, charmante demoiselle. Vous avez entendu? Oui, il t'a appelé charmante demoiselle. C'est vrai que je suis charmante. Oasis, tout le monde descend. Je suis toute flagada. De l'eau. De l'eau. Merci, merci le chameau. Quel joli plongeon! Vous trouvez?
Didou, viens vite piquer une tête. J'adore. Un petit tour de toboggan, charmante demoiselle. Oui, oui. Et voilà, notre gourde est pleine. Dis le chameau, tu n'as pas de gourde, toi? J'ai mieux. Mes deux bosses sont comme deux grandes gourdes et je peux avaler une grande quantité d'eau. Hé, laisse-en un peu pour les amis. Désolé. Pour faire un chameau, tu dessines d'abord le dos comme une vague. Car le chameau a deux bosses. Ensuite, la tête. Les oreilles un peu allongées. Les yeux, les narines, ensuite les pattes. Une, deux, trois et quatre. Et enfin, la queue. Et maintenant, il ne te reste plus qu'à le colorier. Oh, quelle belle couleur! N'est-ce pas, les amis? Cela me convient tout à fait. En avant pour la traversée du désert. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi une otarie. Raté. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Bonjour Didou. À jongler, mais je n'y arrive pas très bien. Attends, on va t'encourager. Allez, Didou! Allez, Didou! Merci, c'est très gentil. Et hop! Oh! Oups! Désolée, Yoko. Mais je crois que j'ai besoin d'un bon professeur. Moi! Regarde bien. Et hop! Oups là! Désolée! Ça a l'air facile de jongler, mais... Je sais qui peut nous apprendre à jongler. Attends-moi là, je reviens. Miam! Les cerises, c'est bon! Oh, la gourmande! Je vais dessiner une otarie. Une otarie? Pourquoi? Parce que c'est un animal très agile, tu vas voir. Je commence par la tête. Je dessine la moitié d'un rond pour faire son museau. Puis, je fais un trait arrondi. Comme ça. Ensuite, je descends et je remonte en faisant un arrondi. Au fait, Didou, je croyais que les otaries vivaient dans la mer. Oui, mais elles peuvent aussi sortir de l'eau et se déplacer avec leurs nageoires. Oh, un cœur. Comme c'est joli. C'est sa queue. Je continue et je trace une nageoire en forme de triangle arrondi. Puis le ventre et l'autre nageoire. Je fais le coup en remontant très haut pour rejoindre la tête. Et moi, je fais les yeux et le museau. N'oublie pas ses moustaches. L'otarie a des moustaches? Oui, les moustaches lui permettent de mieux sentir tout ce qu'il y a autour d'elle. Ah bon? Hop, hop, hop. Et maintenant, il faut la... colorier! Voilà! Elle est drôlement jolie, cette otarie! Jolie, bien sûr! La nature m'a beaucoup gâtée. Mais la beauté n'est pas tout. Mais qui êtes-vous? Bonjour! Moi, c'est Yoko. Et voici mon ami Didou. Je n'arrive pas à jongler et je... Eh bien, tu n'es pas le seul! Ce n'est pas donné à tout le monde de savoir faire ça. Justement! Vous qui êtes si agile,
Vous pourriez me donner des conseils pour jongler? Un seul conseil? La confiance en soi. Ça, la confiance, elle n'a pas l'air d'en manquer. Bon, d'accord. Je vais y arriver. Raté! Je ne comprends pas. C'est si facile d'avoir confiance en soi. Regardez-moi. Et ça? Didou. Et ça? Cette otarie est trop prétentieuse pour faire un bon professeur. Je sais ce qu'il me reste à faire. Pour dessiner une otarie, tu commences par la tête, puis le dos en arrondi. Ensuite, la queue en forme de cœur. Puis le ventre, une nageoire, l'autre nageoire, et enfin tu remontes très haut pour terminer la tête. Il ne te reste plus qu'à faire les yeux, la pointe du museau et les moustaches. Et quand tu as fini, tu peux la colorier. Bonjour les amis. Bonjour. Vous voulez bien nous apprendre à jongler? Pas de problème. Leçon numéro 1. Les balles, on ne les lance pas en même temps. Il faut les lancer l'une après l'autre. Une, deux. Leçon numéro 2. Il ne sert à rien de lever les pattes pour attraper les balles. Elles finissent toujours par redescendre. Waouh! À toi maintenant. Et une, deux. Hop, 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 hop. Bravo, Didou! Bravo, Didou! Et si tu rates, ce n'est pas grave. Il faut être patient et recommencer. Et maintenant, si tu veux dessiner une otarie, c'est à toi de jouer. Au revoir, les amis. Au revoir et à bientôt, les amis. Didou, dessine-moi un crocodile. Bonjour, Didou. Bonjour, Yato. Bonjour, les amis. Il y a quelqu'un? Didou, regarde. Mais où est passée sa maman? Là. Bonjour madame, ne vous inquiétez pas, nous avons retrouvé votre œuf. Quel œuf? Mais enfin, votre œuf. Suivez-moi. Je suis désolée, mais cet œuf n'est pas à moi. Ce n'est pas un œuf d'oiseau. Mais si ce n'est pas un œuf d'oiseau, c'est un œuf de quoi? Cet œuf appartient à quelqu'un qui fait son nid sur le sol. Désolée. Quelqu'un qui fait son nid sur le sol. J'ai une petite idée. Occupe-toi bien de lui, Yoko. Je reviens. Ne t'inquiète pas. Je vais le couver. Et voilà. Wow. Oui. Ce n'est pas si facile de s'occuper d'un œuf. À votre avis, les amis, c'est un œuf de quoi? Un œuf de poule! Un œuf de Pâques! Me voilà! Dépêche-toi, Didou! Didou! Vite! Il faut dessiner sa maman. Je commence par dessiner son dos. Mais qu'est-ce que tu fais? Cela ne ressemble pas à une poule. Mais non, Yoko! Il y a d'autres animaux qui pondent des œufs, comme les crocodiles. Tu crois que c'est un œuf de crocodile? Oh non! Mais n'aie pas peur, je vais dessiner un gentil crocodile. Un gentil crocodile? Regarde, je dessine le début d'un cœur pour faire le haut de la tête. Puis, je continue de montrer pour dessiner sa gueule. Tu ne lui fais pas trop de dents, dis. D'accord, Yoko. Il ne lui manque plus que sa queue, son ventre
et ses pattes. Les crocodiles ont de grandes queues. Voilà. Et maintenant, une patte comme une petite botte. Le ventre et une autre patte. Arrête, Didou. Il me fait trop peur. Yoko, tu sais bien que l'on ne peut pas laisser cet œuf sans sa maman. Tiens, si tu l'as dessiné, tu n'aurais plus peur. Tu crois? Qu'est-ce que je dois faire? Ses yeux et sa bouche. Comme ça? Pas trop grande la bouche quand même. Si, continue. Les crocodiles ont de grandes bouches. C'est bien. Oh là là! Et maintenant, les amis, il faut... le colorier! Tada! Ah! Maman! Maman! Ce n'est pas moi! Mon chéri! Merci beaucoup, les amis, pour tout ce que vous avez fait. Vraiment, ce fut un plaisir. N'est-ce pas, Yoko? Oh oui. J'avoue que j'ai eu un peu de mal à le couver. Vous savez que nous, les crocodiles, nous ne couvons jamais nos œufs. Nous les mettons à l'abri dans nos nids et la chaleur du soleil fait le reste. Ah bon? Cela explique tout. Merci. Peut-être que tu veux le plus gentil des papas. Oh oui! Pour dessiner un crocodile, je commence par dessiner son dos. Puis tu dessines le début d'un cœur pour faire le haut de sa tête. Tu continues pour faire sa gueule comme un grand rectangle. Tu continues pour faire la queue. Puis deux pattes, le ventre et deux autres pattes. Et tu dessines deux beaux yeux et une grande bouche. Et il ne reste plus qu'à le colorier. Maintenant, si tu veux dessiner un crocodile, à toi de jouer. Et surtout, n'aie pas peur.